Et yo tout le monde, c'est Ch'titou et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, présentation de la prochaine ligue de Path of Exile qui aura lieu le 13 mars, qui est Path of Exile Delirium. Donc le Delirium, c'est assez simple, on aura ces espèces de gros portails qui apparaîtront sur la map. Une fois qu'on sera rentré dedans, il y aura ces espèces de brouillard qui va apparaître sur toute la map et qui va changer à la fois les monstres qui sont existants et faire apparaître de nouveaux monstres. Ce qui est plutôt intéressant, c'est que déjà tous les monstres existants seront beaucoup plus forts et ça va aussi impacter les mécaniques de ligue qui sont déjà existantes. Comme par exemple les breaches, où il y aura certainement plus de monstres qui sont plus puissants, comme les essences, et ça va impacter, comme on voit ici aussi, les boss qu'il y a dans les maps. Donc ça, normalement, ça impactera aussi les boss qu'il y aura pendant votre leveling, si vous faites les boss pendant ce délirium. Et du coup voilà, ça augmente à la fois beaucoup le pack size des maps et ça va augmenter aussi la puissance des boss. Donc globalement, une augmentation de la difficulté globale du jeu. Donc là on le voit avec une breach, des nouveaux monstres, il y aura pas mal de choses, il y a l'air d'avoir beaucoup de monstres qui apparaissent. Là ici le syndicat, la grosse tornade de feu qui va vous embêter pendant que vous tapez. Voilà, on voit qu'il risque d'y avoir beaucoup de monstres et ça risque d'être sympa. Donc voilà, ça c'est la mécanique de ligue et c'est ce que va nous proposer Path of Exile Delirium, qui me semble pour moi plutôt cool parce que ça augmente à la fois la difficulté, ça augmente à la fois le nombre de monstres, ça augmente un peu tout. J'ose même pas imaginer un monstre métamorphe sous Delirium, parce que les métamorphes vont être intégrés aussi au corps du jeu. Donc ça sera comme les autres ligues, donc 10% de chance qu'on puisse capturer l'âme des monstres pour pouvoir faire nos métamorphes, comme ce qu'on a pour les bridges, comme ce qu'on a pour à peu près tout. Donc il y aura le même taux de chance que ça apparaisse que les autres. Ok, donc ça, on a présenté cette ligue. Ensuite, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir des orbes, comme celle-ci, qui vont vous permettre de crafter, en tout cas, de pouvoir les mettre sur des maps. À partir du moment où que vous les mettez sur les maps, toute la map sera sous Delirium. Vous allez pouvoir du coup mettre la currency sur la map et vous allez pouvoir les cumuler. Comme par exemple ici, on a cumulé à la fois les currency et les fossiles. Donc plus de chances d'avoir des currency et plus de chances d'avoir des fossiles dans la map. Donc ça, on pourra comme ça augmenter la difficulté de la map et on voit qu'il y a un pourcentage de Delirious. Je suppose que plus le pourcentage est haut, plus les affixes des monstres sont violents et plus on aura de choses dans les maps. Donc voilà, plutôt intéressant. J'aime beaucoup cette mécanique. On verra ce que ça donne en jeu, mais je pense que moi qui aime taper des monstres vraiment en masse, ça peut être très sympa pour ma manière de jouer en tout cas. Une fois qu'on va affronter les Deliriums, enfin les monstres dans le Delirium, on va pouvoir de temps en temps récupérer des Splinters. Une fois que réunis les 100 Splinters, on va pouvoir faire un Simulacrum qui vous permettra d'affronter un nouveau boss, le boss final de cette ligue, qui est lui. Je sais pas ce que ça a donné, on n'a aucune info sur lui. Mais en tout cas, voilà, il y a un boss final comme ce qu'on aurait pu avoir à Breach ou à Légion, exactement le même principe. Ensuite, ça c'est ce qui fait beaucoup parler, on a un nouveau système de joyaux et notamment pouvoir améliorer et étendre l'arbre de talent. Donc comment ça se passe? Normalement, j'ai mis. J'ai ouais la 2,27 ici à peu près. Voilà, on va pouvoir mettre un joyau, hop, ça va permettre de faire apparaître une nouvelle roue de compétences. Donc là, il met ces points-là, et ensuite il remet un joyau ici, qui refait apparaître une nouvelle roue. Donc là, pareil, là, il y a des nouvelles roues qui sont apparues sur la droite. Donc ça, c'est des choses qui n'existaient pas avant. Donc, c'est des choses qu'on va pouvoir mettre que sur les côtés de l'Atlas, donc par exemple ici, ou ici. Et il y a pas mal de choses intéressantes. Comme notamment ce que j'ai vu au niveau de ce point de passif, 2% de maximum résistance feu, donc ça améliore au-dessus du 75% à la résistance feu, et en plus de la régène de vie. Donc ça, on voit, ça c'est parfait pour un build RF, Righteous Fire. Mais on voit ici, ça ajoute un point de passif
inutile, donc ça n'a aucune stat, mais derrière, trois joyaux qui nous permettent d'aller encore plus loin derrière. Donc, ça va être assez complexe, je ne sais pas comment va être équilibré ces joyaux, mais il va falloir faire un choix entre les points de talent déjà existants, ou alors est-ce que ça vaut le coup de faire tout ce chemin pour aller chercher les nouveaux points. Donc là, c'est quand même 1, 2, 3, 4, 5. 5 points de trajet pour commencer à aller chercher des nouveaux joyaux. Ça me semble très cher. Et même si on prend un joyau comme celui-ci, ça fait quand même 1, 2, 3. Et ensuite, on commence à prendre celui-ci, 4, 5, 6. C'est quand même très très cher en termes de points. On n'a pas de points de talent supplémentaires. Donc c'est pour ça. À voir comment va être l'équilibrage. Le principe est super cool. Mais j'espère que c'est bien équilibré. En tout cas, j'espère que ces joyaux et ces statistiques seront assez puissantes pour qu'on veuille y aller. Je préfère encore que ça soit trop puissant et du coup, on va à fond dedans créer nos arbres plutôt que pas assez puissant et que ça se devienne inutile. Donc on verra ça pour l'équilibrage. En tout cas, c'est des joyaux non corrompus, ce qui veut dire qu'on va pouvoir les crafter nous-mêmes avec des orbes de chaos, transmutation, altération, augmentation. Comme n'importe quel item. Du coup, ce qui veut dire qu'on va pouvoir essayer de se focaliser sur certains types de statistiques que nous avons besoin. Il y existe plusieurs types de joyaux. Ici, on a les small, medium, large. Donc là, on voit par exemple les small, c'est celui-ci. Medium, large, je crois qu'il y a encore des plus gros. Donc voilà, c'est assez intéressant. On verra ce que ça donne en jeu plus tard. On verra les affixes qu'on va pouvoir récupérer. Mais quand je vois déjà la qualité de cet affixe-là, je me dis que les autres peuvent être vraiment cool. Comme par exemple ici, il y a le Dévastator qui permet d'avoir 15% de chance de faire exploser les cibles. Est-ce que ça se cumule? Je sais pas. À voir, mais c'est intéressant également. Au niveau du endgame, il y a des changements, et notamment des améliorations. On va pouvoir directement voir la progression des boss de Citadelle. Avant, c'était assez aléatoire sur leur pop. Maintenant, on a ici la progression. Une fois qu'on est à la fin, il y aura le boss de Citadelle, on pourra l'affronter. Ça, c'est plutôt cool. Ensuite, des nouveaux sorts, notamment le Blade Blast, utilisable avec Eternal Knife, Blade Vortex, Blade Fall. C'est ici. En fait, lorsque vous allez utiliser ces sorts, il y aura des espèces de petits pics qui seront au sol. Et une fois qu'ils sont au sol, on va pouvoir avoir la faculté de les faire exploser. Vous avez vu, petite détonation. Hop, voilà, petite détonation. Ça peut ajouter du burst. Vu que c'est une gemme active, ça ne prend pas une des statistiques de l'objet. Donc, c'est-à-dire que votre Blade Vortex, vous pouvez toujours l'avoir 6 link. Et vous rajoutez ça, peut-être en un lien, peut-être qu'il y a des augmentations de puissance avec Concentrated Effect, ou j'en sais rien, qui peut permettre un gros burst mono cible, donc plutôt cool également. Ensuite, au niveau des nouveaux sorts, hop, on a celui-ci, le Kinetic Bolt. Donc normalement, Kinetic Bolt 0,40 ici. Donc voilà, c'est une espèce de boule électrique qui fait des zigzags, qui a l'air super bien en clear de map. Donc voilà, c'est très très rapide, hein. Je vous le remets. Hop là. Je l'imagine bien avec genre un trap. Non, pas un trap, mais un build de mine saboteur qui lance plein de ces boules et qui font exploser toute la map. Ça risque d'être super rigolo. Quand j'ai vu Kinetic Ball, je me suis dit, tiens, sur un build saboteur avec plein plein de mines, à voir ce que ça donne. Mais ça peut être marrant. Et ensuite, le Stormbind. Là, il n'y a pas de vidéo. Ça, c'est la même compétence que ce que fait Baran, un des boss de la citadelle. Donc on canalise, ça va mettre ces espèces de runes au sol, et ensuite, je pense que si on la lâche, ça va détonate. Donc plus on canalise, plus ça fera de dégâts, et ensuite on lâche pour faire une grosse explosion. À voir ce que ça donne en jeu. En tout cas, ça a l'air assez grand. Si ça fait tout ça là comme ça, c'est assez grand. Donc plutôt intéressant à voir. Ensuite, comme d'habitude, des nouveaux objets, notamment des nouveaux objets uniques, comme ce torse perfidie qui vous permet de mettre deux bannières en même temps, notamment, et aussi des augmentations d'effets de la War Banner et Dread Banner.
Donc Warbanner qui augmente pas mal votre précision et la Dreadbanner qui vous permet d'avoir des chances Twin Pale. Je pense que ce torse est assez sympathique par exemple pour un build champion, un build champion Impale, ou même d'autres builds, qui peut peut-être remplacer la Belly of the Beast si vous jouez avec une version Impale d'un build. Néanmoins, il sera quand même moins fort qu'un build rare, enfin un build avec un torse rare comme pourcentage crit chance ou même de l'explode pour le mapping. Mais je pense que c'est un bon compromis pour les builds Impale qui voulaient un torse unique pour eux. Celui-ci, lorsque vous mettez une zone de froid au sol, de chilling area, les ennemis vont avoir 25% de chance d'être sap. Et si je ne me trompe pas, le sap, ça réduit les dégâts infligés des ennemis de 20%. Donc défensivement, c'est super intéressant. Si vous jouez des builds comme Vortex, Cold Snap ou ce genre de choses, ça peut être très très bien. Et cumulé avec l'aspect of Spider, ça peut faire que les ennemis infligent énormément moins de dégâts. En tout cas 30% moins si on cumule les deux. Très très bien. Très très bien pour ce genre de build. Avec un petit peu de S. Ouais, je pense que sur un build Cold Snap Vortex, l'intégration de ces gants défensivement est intéressant. D'autres joyaux. Celui-ci qui fait que quand vous consumez un corps, vous récupérez 5% de vie et de mana. Très bien défensivement sur des builds comme Volatile Dead. Par contre, quand vous en consommez pas, vous prenez 10% de dégâts en plus. Donc, sur un build Volatile Dead, on s'en fout. On sera tout le temps en train de consommer des corps et avoir une très très bonne régène de vie et de mana. Ok. Pourquoi pas, très spécifique, mais pourquoi pas. Et celui-ci, assez intéressant, plus vous mettez ce joyau loin de votre arbre de départ, par exemple si vous commencez ici, plus vous le mettez loin, par exemple par là, et plus il sera fort. Sachant que maintenant on peut améliorer la distance de l'arbre. Si on le met par ici, ce joyau peut être très intéressant et très puissant. Donc par défaut, c'est 5 de dextérité et de mana. Mais si on peut avoir genre un plus 50 ou plus 60 de dextérité et de mana, sur des builds qui sont basés sur la dextérité, ça peut être très bien. Ensuite, des fossiles et la Dying Sun. Voilà. Du coup, voilà, on a fait à peu près le tour de cette ligue. Donc, on arrive, on va avoir des gros portails. Une fois qu'on a le grand portail, on va dedans. Les monstres seront plus puissants. Il y aura des nouveaux monstres qui vont apparaître en plus. Pas mal de nouveaux loot, pas mal de choses. Pour ceux qui aiment beaucoup de clear speed et tuer des monstres en masse, c'est une très bonne ligue. Je pense qu'elle va être super fun. Si vous voulez partir du délirium, il est possible. Normalement, si vous retournez à l'endroit où vous avez pris votre portail, vous pouvez partir de ce délirium, voilà, c'est possible. Mais je pense que, en tout cas en softcore, on le fera jamais. En hardcore, à voir, ça peut être très dangereux. Quelques nouvelles, comment on dit, qualités de vie. Ici et derrière, des nouveaux sorts. Pour l'instant, il n'y en a que 3, il y en aura plusieurs. Il y en aura au moins 4 sorts actifs, je crois, et 4 sorts passifs. Si je me trompe pas, donc... Donc voilà, on attend la suite. Et on va finir par parler du supporter pack. Le supporter pack qui est ici, le premier, qui est celui-ci, que je trouve pas très beau. Globalement, je le trouve assez dégueu pour ma part. On voit ici l'effet de l'arme. Moi, ouais, je suis pas fan. Et ensuite, le deuxième, qui est ici. Bah, il est là. Sympathique. Moi, je préfère celui-ci que l'autre. Après, ça, c'est une question de goût. Le portail qui est plutôt classe. Je vais vous faire voir un peu plus tard. Normalement, ils invoquent tous les portails d'un coup. Ici. Voilà. Petit effet de portail en plus. Mais voilà. N'hésitez pas à me dire, du coup, dans les commentaires, si ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes impatient de faire cette nouvelle ligue? Et n'hésitez pas à me dire ce qui vous intéresse, vous, dans cette ligue, et ce qui vous plaît. Voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!